Alors nous, avec mon mec, pendant le couvre-feu, là, toute la période qui était très longue, qui est encore longue, on en avait marre des jeux de société et des soirées Netflix, ça va 2 secondes. Donc un soir, on a décidé avec un couple d'amis de se faire une petite soirée chez eux, prendre le dîner et puis passer la nuit là-bas. Et du coup, on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut vous ramener qui vous ferait plaisir. Et ils nous ont dit une tarte aux fraises. Ok, donc on descend à la boulangerie en bas de chez nous et on leur amène une bonne tarte aux fraises voilà. Et la soirée se passe hyper bien. On tchatche, on se marre, on boit du bon pinard et puis arrive le dessert. Et là, on n'a pas compris parce que la nana est arrivée les seins à l'air, complètement, complètement topless quoi. Gros moment de gêne quand même, hein. Je vais pas vous cacher, c'était gênance, gênance absolue. Et parce qu'en fait, ce qu'on savait pas, c'est que la tarte aux fraises, c'est un nom de code pour les couples échangistes. Maintenant on sait, hein.